Un gros bisou, ça. C'est trop mignon. C'est bon, c'est bon. Ok. Il a été chercher son frère à l'école. Bon, bah. Monsieur fait l'école buissonnière, mais hein, il pète la forme. Il me saute dessus comme ça. T'es un fou. Spider-Man. Spider-Man. Wouhou. Oh. Aïe, sérieux lui. Oh, ça va pas la vue. I fight. No, I'm not your fight. I fight. I'm not happy. Run. Run. Enfin, peut-être avoir de l'eau à la maison. C'est quoi ça, Mathéo? Elle me dit que ça fait 2 heures qu'elle attend son bus. Et j'ai regardé, et son bus arrive que dans 30 minutes, elle est en stress. Je vais lui prendre son taxi. Allez. Voilà, la bonne action du jour a été faite. Elle est là-bas, elle part. Putain, j'ai galéré, j'ai dû annuler 2 taxis. J'ai dû en prendre commandant 3. Le premier a écrit 12 minutes. Le deuxième, le mec, il passe devant nous, là, comme ça. J'ai dû faire le tour du rond-point pour revenir sur le bon côté. Le mec, il s'est perdu, il avait écrit 8 minutes. Allez, ça m'a saoulé, je l'ai annulé, j'en ai rien pris un autre qui arrivait dans 5 minutes. Finalement, je passais 20 minutes avec elle. C'est faire une bonne action, mais finalement, c'est une galère pas possible. Enfin, quoi qu'elle arrive. Ça faisait 1h30 qu'elle était là, assise, elle me dit à attendre un bus. Et à chaque fois, elle regardait dans une demi-heure, il venait pas. Donc, j'ai fait, il y en a un dans 20 minutes, j'ai vu, bon courage. Puis je marche et je me suis dit, oh là là, la pauvre. Je me suis dit, c'est quoi moi, c'est 30 euros pour moi, 40 euros, c'est quoi? Enfin, faire plaisir à une personne, des fois, ça coûte rien, quoi. Donc, je suis content de la bonne action. Et elle était ravie et très gentille, cette dame en plus. Très polie. Et elle adorait Petite Perle. Un petit perle, ok, et un chien, 3, 2, 1, tu aboies ou pas? Tu aboies, non? Et bah dis donc. Bon voilà, on est bien arrivé à Dubaï les amis. Un hôtel plutôt sympa avec une vue assez incroyable, je vous montre ça. Donc nous sommes bien arrivés à Dubaï. Un hôtel juste fabuleux avec une vue juste incroyable. Ah oh là là. Je suis retombé sur cette vidéo au hasard, 5 jours, il y a 5 ans, jour pour jour, je venais d'arriver à Dubaï. Donc j'avais 5 ans de moins, que j'avais 29 ans. Et on était un jeune couple avec Hilary, ça faisait même pas un an qu'on était ensemble, pas d'enfant, pas marié, pas de projet de vie en deux, à part partir en vacances, on était un jeune couple quoi. Qui aurait cru que. Si je m'étais dit dans 5 ans, enfin je m'étais dit 5 ans en arrière qu'un jour moi j'habiterais à Dubaï, que j'aurais une maison à Dubaï, que mes enfants parleraient anglais à Dubaï, que ça serait, j'aurais jamais cru quoi. Le temps passe comme ça, c'est ouf. En tout cas moi je suis très 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 heureux. Enfin, j'avais adoré Dubaï en partant en vacances et Larry elle me disait, je m'en souviens il y a 5 ans, écoute Joe, on part en vacances à Dubaï.
J'ai pris les billets et tout, mais j'ai peur que tu t'aimes pas. Elle me disait, je sais pourquoi t'as peur que j'aime pas. Parce qu'elle savait comment j'étais, moi à l'époque j'étais hyper, j'étais vegan, écolo, le vrai par ego, enfin... Je le suis toujours un peu, beaucoup moins. Je reprends, j'ai pas mangé de viande pendant 8 ans, j'ai repris la viande, enfin bref. Donc elle avait peur que j'aime pas Dubaï qui, bah, une ville pas forcément écolo, etc. Donc moi j'aime bien la nature tout, mais finalement j'avais kiffé de ouf, quand même, j'avais kiffé de ouf Dubaï. Mais j'aurais jamais cru y habiter un jour et j'en suis ravi, je me sens vraiment bien ici. Sachant qu'on voyage énormément, on part souvent en vacances, on rentre souvent en France. Donc du coup, j'ai pas ce mal du pays. Et c'est vraiment sans regret. Et vraiment pour ceux qui veulent visiter Dubaï, même si vous avez un peu des fois des priori, etc. Franchement, c'est cool à faire, c'est sympa. Ça peut coûter cher peut-être si vous voulez faire tous les trucs touristiques. Mais c'est à voir, je pense, une fois dans sa vie. Aussi mis derrière le dos comme ça. Ma baby boy. Je suis qui la température. Température.